Bien, je suis Geneviève Poirier, de Voyage pour la Poirier. Je suis vice-présidente de l'agence avec encore entreprise familiale. Donc, je suis avec mon père dans l'entreprise et ma mère aussi. Depuis 2022, dans le fond, mars 2022, le voyage est vraiment reparti de plus belle. Ça a été comme toute une surprise en mars 2022, mais là, depuis, on suit le flow et ça va super bien. J'ai aussi agrandi mon équipe depuis le retour du voyage et tout. Donc là, on est rendu 7 à l'interne, fait qu'on est capable de répondre à la forte demande qu'on a en ce moment. C'est sûr que les destinations, la tendance actuellement, les destinations soleil sont vraiment, vraiment en très grande demande. L'Europe, ça recommence tranquillement, mais on voit qu'il y a vraiment un engouement pour l'automne prochain. On est vraiment très heureux de ça parce que l'année passée, c'était un petit peu plus tranquille au niveau de l'Europe. Mais là, les gens reprennent goût, ils ont envie de retourner en Europe, de découvrir l'Italie, la Grèce. On dirait de revoir ce qu'ils ont déjà vu dans le passé, mais ils veulent le revivre encore. Avec ces 2 ans de pause-là, ils se sont ennuyés de nos belles destinations en Europe. Les questions les plus fréquentes, c'est l'annulation. Là, c'est bien dommage que ça soit celle-là, mais en fait, les gens veulent être protégés. C'est sûr que c'est très, très important pour eux, puis c'est important pour nous, parce qu'il y a été un certain temps où on ne vendait pas sans protection annulation. Donc, nos fournisseurs ont offre une protection annulation où on peut canceller pour n'importe quelle raison. Et sinon, ben, il faut s'informer avec nos cartes de crédit à savoir pour quelles raisons on pourrait canceller et avoir un remboursement. Mais en tant que tel, en ce moment, il n'y a personne qui cancelle pour la COVID. La COVID est vraiment derrière nous là, pour ce qui est de canceller. En fait, pour voyager actuellement, il faut être patient, tout simplement. Tout le monde se remet de la pandémie comme ils peuvent. T'sais, que ce soit l'aéroport de Montréal, que ce soit nous, que ce soit les intervenants à destination, les représentants, les hôteliers. Tout le monde est un peu à la recherche de nouveaux employés aussi. Là, la pénurie de main-d'œuvre n'est pas juste au Québec, là, elle est vraiment à travers le monde. Et ça fait que les attentes peuvent être un petit peu plus élevées. De recevoir tes valises quand tu reviens de voyage, ça peut être un petit peu plus long. Mais il faut juste baisser nos attentes, comme ça, ben, on n'a pas de déception quand on voyage. Tout le monde est content quand tu arrives au soleil, puis tu sais, faut oublier, faut remettre ça derrière nous, puis faut juste comprendre le mouvement que tout le monde essaie de se remettre en ce moment. Tu sais, le retour du voyage est arrivé comme boum, tu sais, sans qu'on s'en attende personne. Là, en ce moment, ben, on vit avec ça, puis on essaie de refaire nos équipes, de rebâtir notre personnel, de les former aussi. Là, c'est long, les formations, donc faut vraiment prendre le temps pour pouvoir bien répondre à la demande, tout simplement. Puis là, avec les voyages destination, est-ce qu'il y a des choses à ne pas oublier dans sa valise? Ben, moi, ce que je dis, en fait, depuis que c'est reparti, vu les petits problèmes au niveau des valises, la perte des valises et tout. Nous, ce qu'on conseille fortement aux gens, c'est pas de mettre quelque chose dans ta valise, c'est de faire un mix des valises. Donc, exemple, tu pars une famille de 4, papa, maman, les enfants, ben on va mixer les valises. Donc, un peu de papa dans la valise de maman, un peu de maman dans la valise de papa, bon, on va mixer ça. Donc, dans le pire des cas, s'ils perdent une valise, ben on n'est pas mal pris, puis on se retrouve avec notre matériel aussi. C'est sûr que tout ce qui est important qu'on doit absolument avoir lors du voyage, je conseille fortement de mettre ça dans le carry-on ou le sac à dos dans l'avion avec nous. Ça n'a pas changé, c'est toujours conseillé. Il y a un poids à respecter qui est 10 kg, mais pour le sac à dos, tant que c'est un sac à dos qui est de dimension standard puis qui peut rentrer sous le banc en avant de toi, il n'y a aucun problème pour ça. Puis c'est sûr que si on a un sac à dos qui est hors dimension, il va falloir le mettre ensuite avec les autres valises. Si on t'appelle Geneviève à la dernière minute, est-ce que tu as quelque chose pour nous? Non! En fait, les voyages dernière minute en ce moment n'existe plus. En ce moment, il n'y a plus de basse saison dans notre domaine. C'est une saison haute à l'année longue. Les compagnies aériennes font plus vraiment de baisse de prix. Plus on s'approche de la date, c'est plutôt le contraire qui se produit. Les prix augmentent. Faut vraiment réserver à l'avance. C'est vraiment ce qui est conseillé. Les gens nous appellent déjà pour décembre et janvier l'année prochaine. Les prix sont bons, mais plus on va s'approcher de la saison de Noël, jour de l'an, qui s'en vient, les prix vont devenir assez hauts, merci. Si
Si on parle pour les restrictions COVID, qu'est-ce qui te reste comme restriction à travers le monde qui est important à savoir? Bien, en fait, actuellement, il n'y a plus vraiment de restrictions COVID dans les destinations populaires, je te dirais. T'sais, si on s'en tient, mettons, à l'Europe, les destinations soleil, que ce soit le Mexique, les Caraïbes, bon, la Grèce, l'Italie, la France, le Portugal, les restrictions COVID n'existent plus. C'est sûr que pour voyager, pour que ce soit moins compliqué, on suggère toujours d'avoir au moins 2 doses minimum de fait et que tu amènes avec toi ton carnet de vaccination. Mais si jamais tu n'es pas vacciné, tu as le droit de voyager quand même. Présentement, je vous dirais que pour les États-Unis, c'est ce qui nous cause un peu plus de soucis. Ils demandent vraiment la preuve vaccinale pour partir en avion vers les États-Unis. Donc, c'est pas mal ça, je vous dirais, qui reste. Mais ce qui est encore mieux, c'est toujours de s'informer auprès de ton agent de voyage parce que nous, on a les systèmes pour tout voir en ligne, les restrictions que chaque pays demande, peu importe où on va aller dans le monde, on a les informations. Et comment on peut aller rechercher notre passeport COVID ou notre preuve vaccinale quand ça fait longtemps et on a oublié un peu où on a mis cette preuve vaccinale? Bien, en fait, on a encore l'application VaxiCode là, qui existe. Donc, on va télécharger sur notre cellulaire l'application VaxiCode et puis on va juste rentrer les informations qu'ils vont vous demander. Donc là, je crois qu'ils vont vous demander votre numéro d'assurance maladie et tout, puis ça va télécharger vos preuves. Parce que si vous êtes inscrit dans le système, si vous avez eu les vaccins qu'on est censé avoir. Là. Pour ce qui est des restrictions, c'est sûr que nous, on conseille de toujours rester à l'affût. T'sais, c'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de restrictions pour aller, par exemple, en Grèce, que dans 6 mois, il n'y en aura plus. Donc, ce que nous, on fait de notre côté, avec tous nos clients, c'est de les informer le plus proche possible de leur date de départ pour leur donner la bonne information. Donc, si jamais il y a un petit formulaire qui s'est ajouté pour la Grèce, on va leur envoyer à peu près 10 jours avant leur départ. On va toujours avoir ce qui est le plus réaliste possible pour pas qu'il y ait de soucis en voyage. Quand on arrive au check-in à l'aéroport et on fait vérifier notre sac à dos, y a-t-il des choses qu'on peut faire pour préparer et puis accélérer le processus? Certainement. En fait, juste de mettre vos liquides dans un sac Ziploc, les liquides de 100 ml maximum. Si on met tout ça dans un sac Ziploc, quand on arrive à la sécurité, on a juste à sortir le sac Ziploc et le mettre dans le bac pour qui va aller se faire vérifier. Et c'est sûr que ça accélère le processus parce qu'eux, ils n'ont pas à chercher dans notre valise c'est quoi le liquide qu'ils ont vu à l'écran. Ils vont l'avoir dans le sac Ziploc directement. Donc, si on apporte une bouteille d'eau, par exemple, il faut qu'elle soit vide avant de traverser la sécurité. Sinon, ils vont vous la faire jeter ou vider. Évidemment, là, si c'est une bouteille d'eau qui est réutilisable, vous allez pouvoir la garder, mais la vider avant de passer la sécurité. Actuellement, la tendance populaire, c'est vraiment le sud, les Caraïbes, le Mexique. Les gens veulent se retrouver entre eux. Ils veulent pas avoir à visiter nécessairement tous les jours. Ils veulent vraiment profiter du moment présent. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, on vend beaucoup de tout inclus Mexique, Caraïbes. On a des nouveaux hôtels. Il faut en profiter. Les hôtels s'adaptent de plus en plus aux familles aussi. Glissade d'eau, activités sur place aussi. Pas nécessairement juste plage et piscine. On a d'autres choses à faire. Tout ce qui est important, c'est d'avoir la plage, le soleil et n'oubliez pas votre crème solaire pour passer un très beau voyage.